Sonic Racing. Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, aujourd'hui, on se retrouve sur Sonic Team Racing pour un let's play, tout simplement, pour vous faire découvrir ce jeu qui est sorti le 21 mai sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch, aux alentours de 40€, bien évidemment. Alors, je vais tout simplement vous montrer, donc, dans les parties locales, quelques mondes, il y a deux modes. Un petit peu de multijoueur, j'en ai jamais fait. Et de la customisation pour terminer... tout simplement, ou alors on peut faire l'inverse. Mais bon, si je vous montre directement la customisation, ça va vous saouler et tout. Au moins comme ça, ceux qui veulent voir le jeu directement, je vais pouvoir vous montrer directement, bien évidemment. Alors, ce que je peux dire, c'est sur Sonic Team Racing. Tout simplement. Alors, perso, à première vue comme ça, il a l'air super. Il a l'air super bien. Donc du coup, c'est un peu comme un Mario Kart ou un Crash Team Racing. Qui sortira donc à la fin du mois de juin, tout simplement. Donc, ce sont des jeux de course, des jeux où on peut jouer jusqu'à 4. Pour celui-ci, en tout cas, on peut jouer jusqu'à 4 avec 4 manettes. Donc, du coup, jeu très coloré, très beau. Un peu en ambiance Mario Kart. Ça, c'est le premier point positif. Et les autres, on verra au fur et à mesure en juin. Alors... on va directement aller dans course de démonstration. Que ça soit normal, difficile ou expert, j'ai vu aucun changement. En tout cas, au niveau vitesse comme Mario Kart. Ce que je compare avec Mario Kart 8 Deluxe en fait. Alors perso, j'ai pas fait tous les circuits. Parce que c'est normal, je viens d'avoir le jeu. Donc du coup, j'ai fait à peine 2-3 circuits. Et bien pour la peine avec vous, je vais vous montrer des circuits que je n'ai jamais vus, jamais fait. Tout simplement. Alors celui-là je l'ai jamais fait. Celui-là je l'ai fait. Celui-là je l'ai fait. Donc celui-là je l'ai jamais fait. Celui-là je l'ai fait. Et ainsi de suite et ainsi de suite. Alors je vais vous en montrer je pense 3. 3 variés. Je vais vous en montrer un dans les débuts, un dans les milieux et un vers la fin. Alors. Ou dans le début on peut mettre celui-là. Ouais, ça peut être pas mal. On va prendre Sonic. Oui, j'ai mis les voix japonaises car je n'ai jamais entendu Sonic en voix japonaise, bien évidemment. C'est comme Zelda, j'ai toujours mis en français, alors que je pouvais le mettre en japonais. Bah ouais. J'ai jamais fait attention. Donc du coup, on a des astuces en temps de chargement, comme dans tous les jeux quasiment aujourd'hui. Ce que je peux dire, c'est qu'on va commencer la course, bien évidemment. Et puis je vais tout vous dire au fur et à mesure, hein, comme je l'ai dit, donc... au niveau peut-être des problèmes qu'il y a sur ce jeu, des choses à améliorer, des choses à changer, etc. Alors. À première vue, vous vous dites, waouh, le jeu il est sublime, il est magnifique, ça on voit. Eh bien, c'est parti. Et oui, regardez-moi ça, franchement, ambiance Mario Kart 8 Deluxe. Ah, franchement. Premier point, c'est que je trouve ça super beau. Je trouve ça super beau. Je trouve ça super coloré. Franchement, c'est mon premier point positif concernant ce jeu. Ouais, ça me gratouille le nez, c'est un peu chiant en jouant. Alors, un point négatif que je vais vous donner tout de suite. On est d'accord que Sonic, c'est rapide. Sonic va très vite quand il court. Ben, j'ai l'impression que la voiture à côté, c'est un taco. J'ai l'impression que c'est un scooter qui roule à 2 à l'heure. On est d'accord que ça va pas très vite. Je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que ça va pas très vite. Bon, on n'est pas en tracteur à faire pot, mais on en est pas loin. Est-ce que pour vous, ça va vite? J'aurais aimé plus de vitesse. Voilà, un point négatif que je tenais à souligner. Tout simplement. Donc, point positif encore. Regardez, maintenant, on peut... donc avec le deuxième analogue pour ma part, tout simplement faire des figures dans les airs pour gagner du turbo. Ce qu'on va dire fait que on va un petit peu plus vite. Regardez, on dérape et ça fait également du turbo. C'est un peu copier-coller de Mario Kart. Hein, entre les turbos, les compétences. Riches et variées que je n'ai pas encore tout vu. En plus on peut jouer à 4. C'est un autre point positif. On peut jouer en multijoueur. Après il faut voir l'étendue du multijoueur. Maintenant, je vais vous redonner un point négatif encore.
le jeu des fois a des chutes de FPS. Sur PS4 en tout cas. Sur PS4, il a des chutes de FPS à certains endroits bien distincts. Par exemple, il y a une course du début, je vous l'ai pas montré, mais il y a une course du début où en fait, eh bien, le jeu rame à un moment, il ralentit de ouf. Mais franchement, de ouf, et ça pique les yeux. Ça dure pas très longtemps, hein, ça dure pas très longtemps. C'est le temps qu'on passe la zone, genre vous avez un pont, ben voilà, vous passez le pont, voilà, pouf, et voilà. Et la chute de FPS est partie. Donc, je comprends pas pourquoi. Franchement, finissez vos jeux. Finissez vos jeux. Donc, un problème à régler, ça serait bien en mise à jour. Mais je m'y attends pas. Je m'attends pas à des mises à jour. Franchement, sur ce jeu, je m'y attends pas du tout. Je le sens pas. Je sais pas pour vous, mais moi, je le sens pas. Donc, waouh! Donc, c'est un autre point négatif. Entre tout simplement. Waouh! Donc, la vitesse des voitures, les FPS, ça fait deux points négatifs. Par contre, il y a des points positifs comme le fait que le jeu est très beau, très coloré, mais fait un peu copier-coller du Mario Kart. Un point positif également, comme je disais, c'est qu'on peut jouer à 4 et on peut jouer en multijoueur, après avoir l'état du multijoueur. Maintenant, encore un autre point positif, c'est qu'on peut customiser un peu nos voitures. Et oui, on peut customiser les roues, la couleur, les stickers, si je me rappelle bien. Donc il y a pas mal de customisation, mais dans la customisation, je suis un petit peu déçu également. Je vous le montrais tout à l'heure, en gros c'est par palette de couleurs. Genre vous pouvez pas mettre du bleu avec du violet avec du rose, non. C'est ce qui est un peu embêtant. Merde. C'est ce qui est un peu embêtant, je trouve. Donc c'est un point positif et négatif, la customisation. Elle aurait dû être plus poussée. Plus poussée, plus ancrée dans le jeu. Tout simplement. Comme ça, vous vous rendez compte, j'essaye de jouer. Et j'essaye en même temps de commenter et de vous dire les points positifs et négatifs sur ce jeu que j'ai pour le moment. Hein. J'ai pas joué souvent. Donc, je peux pas tout savoir. Je découvre. Franchement, je découvre. Par contre, les musiques sont très bien. Je trouve. Hein. Je l'entends pas beaucoup dans le casque. Parce que je peux pas régler le son du casque quand j'enregistre. C'est ballot. Et j'entends pas beaucoup. Et j'aurais bien voulu entendre plus, mais je pense qu'elles sont bien. Normalement là bah, je vais perdre hein. Je finis le quatrième. C'est pas grave. Et donc un point aussi que je tiens à souligner, bah ça serait bien qu'on aurait des motos. Pourquoi il n'y a pas de motos? Eh on est d'accord là, il y a un problème. Mario Kart 8, il y a des motos. Là on ne voit pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de lumière, attendez. Ah c'est à fond. C'est à fond lumière. Je vais faire ça. Donc, il n'y a pas de moto. Pas de moto, pas de scooter. Pas... Mince alors, mince. Mario Kart 8 propose des motos. Point fort de Mario Kart. Donc franchement, déçu à ce niveau-là qu'il n'y ait pas de moto. Tout simplement. Moto, scooter, enfin... Motocross, moto de course... C'est ballot, franchement c'est ballot. Donc pour faire un bon jeu, il faut le remplir à fond. Je comprends pas qu'ils y ont pas pensé. Allez, ensuite on va passer à une course du milieu. Alors il y en a combien que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, on a fait partir du... On a fait celui-là. Wow! Ça donne envie, hein. Et la glace aussi me donne envie. Allez, on fait la glace. Bon, pour l'instant, vous l'aurez compris. Point positif, point négatif. Bah, il y a plus de points négatifs que positifs, malheureusement. Même si j'aime beaucoup. J'aurais espéré, en fait j'aurais espéré plus, j'aurais espéré comme je vous le disais, plus de customisation, je vous en parlerai à la fin, j'aurais espéré des motos, on n'a pas les chutes de FPS, bon, espérer une mise à jour, c'est pas tout le temps, c'est pas gênant, c'est vraiment à certains endroits dans certaines courses, et j'en ai vu que deux pour l'instant,
Après, peut-être que je fais pas attention depuis tout à l'heure. Oh, c'est magnifique. Franchement, regardez. C'est magnifique. Et puis, surtout la vitesse pour moi qui... Regardez, on a l'impression de rouler à 2 à l'heure. C'est pas pour mettre plus de points négatifs sur le jeu, hein, c'est pas pour le strike. Mais au contraire, j'adore, franchement, j'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure, c'est magnifique. Mais franchement, l'effet de vitesse, il est plus que minable. Je sais pas pour vous, mais sans boost, c'est très faible. C'est très très faible, on a l'impression de se balader. Vous rendez compte, je suis à fond. Et on tourne ça au KLM, c'est, limite c'est un jeu pour enfants de 3 ans quoi. C'est censé être un jeu dynamique, punch, fun. C'est ballot. Voilà, comme ça je vous ai résumé les points négatifs en quelques mots, hein, franchement. Après, les points positifs, c'est qu'on peut jouer à 4, qu'il y a du multijoueur en ligne, qu'il y a de la customisation. Il y en a quand même, même s'il y a un point négatif dessus. Elle est pas complète, elle est pas comme il faut, mais il y a de la customisation, les compétences, tout ça, regardez, c'est là. Bon, c'est copier-coller de Mario Kart, c'est vrai, mais ils ont leur propre identité à eux. C'est comme des Battle Royale, bah tout le monde se copie, mais le but c'est le Battle Royale, bah là c'est pareil. C'est comme un Call of et un Battlefield, un FIFA et un PES, donc vous avez compris l'idée. Vous vous rendez compte, on a déjà fini le tour. Et quand tu vois sur la map, c'est waouh, puis en fait, bah, tu te balades quoi. C'est ce qui m'embête le plus, franchement, c'est ça. C'est même pas tout le reste. C'est franchement l'effet de vitesse qui me manque. Les autres points négatifs, corps, ça passe. Et donc du coup, je disais les points positifs. Donc je disais le fait de jouer à 4 joueurs, le fait de jouer en ligne, le fait d'avoir un très beau décor. C'est franchement riche et varié, comme on le voit. La customisation. Après, ça s'arrête là, je crois, en termes de points positifs. On a un peu moins. En espérant les mises à jour. Mais à ce que j'ai lu sur les forums, c'est mort. C'est clairement mort. Ils font pas de mise à jour. Limite, ils oublient leur joueur, on va dire. Après, c'est ce qui est écrit sur les forums, hein, pas tout croire. Je suis comme vous, hein. Moi je lis, après on verra dans les semaines à venir. Oh zut, ils l'ont sorti avant Crash Bandicoot, enfin Crash Team Racing. Il faut qu'ils fassent ce taf, parce que si Crash Team Racing, il est au-dessus, Sonic il va se faire striker. Hein. Moi je vous le dis clairement, hein. Donc je vais peut-être l'avoir, Crash Team Racing, on verra ensemble. On verra ensemble donc les compétences, l'effet de vitesse, le fait de jouer à plusieurs, la beauté des paysages, s'il n'y a pas de chute de FPS. On verra tout ça. On verra tout ça ensemble. Et on comparera les deux. Je vous ferai peut-être même un comparatif. Zut. Un comparatif graphique concernant les deux jeux. Même si ça n'a rien à voir. Mais je sais pas si je le prends encore sur Switch ou sur PS4. Parce que prendre tous les jeux sur PS4... ça m'embête un peu, je voudrais bien aussi étoffer le catalogue de la Switch. Je pense que je le prendrai sur Switch. Comme ça, vous verrez la différence. Bon, pas sur le même jeu. Très clairement, mais vous verrez une différence quand même. Après, sur ce type de jeu, ça se voit pas énormément le graphique. Ça se voit pas énormément. Mario Kart est un très beau jeu et il est sur Switch. Donc, après, c'est à eux à peaufiner leur jeu, à le terminer correctement. Mais bon, c'est un jeu à jouer en famille ou solo. Mais solo, vous allez y jouer pour le fun et c'est tout. En famille, c'est pas mal. Moi, j'y vais avec ma copine, c'est pas mal. C'est marrant parce qu'elle sait pas jouer. Donc, c'est marrant. Voilà, on a fini. Mais franchement, ouais, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Tout simplement, des points positifs, des points négatifs. Pour moi, le point positif qui m'embête le plus, comme je vous le disais, c'est l'effet de vitesse. Voilà. C'est l'effet de vitesse. Pour moi, qui n'est pas suffisant. Un peu plus de vitesse aurait été la bienvenue. Voilà. Donc, peut-être que cette vidéo sortira aujourd'hui, mardi, parce qu'en fait, on devait sortir Assassin's Creed Odyssey. Sauf que, depuis un petit moment, depuis ce matin,
Ben je cherche pour avoir le DLC. Moi j'ai le Season Pass. Donc je suis censé avoir le DLC. Et je l'ai pas. Il est pas dans le store. Il est pas dans le jeu. Il est pas quand on va dans le magasin du jeu. Il est pas en mise à jour. Et je le trouve nulle part. Il y en a, ils ont sorti des vidéos à minuit, 1h, 5h, 6h du matin. Et moi je suis là à ne pas pouvoir avoir la mise à jour. Et ça m'embête franchement. Ça m'embête terriblement parce que moi je voulais vous faire la vidéo pour aujourd'hui, pour qu'elle sorte aujourd'hui pour vous. Et donc bah, ça va décaler, ça va décaler, ça fera qu'elle sortira peut-être demain. Peut-être demain avec Assassin's Creed 3 en plus. Alors, en plus vous allez être paumé. Donc c'est ballot, franchement c'est ballot. Ah, faire le désert, tiens, hop. Allez, on va prendre le crocodile. Vector, hop. Après on ira voir les customisations, etc. Mais j'aime beaucoup ce jeu. Mais la vitesse, quoi. Bon, après, je tourne en boucle, quand même. J'avoue, depuis tout à l'heure, je tourne en boucle. Mais ça m'énerve un peu, quoi. Ça m'énerve un peu. Au moins, je dis ce que je ressens. De toute façon, je suis pas payé pour faire ce genre de vidéo. Je suis pas payé du tout. Je suis pas là pour dire du bien ou du mal. Je dis ce que je veux sur le jeu. Moi, j'en fais... en fait, j'en fais mon avis personnel, hein, tout simplement. Et je vous fais découvrir le jeu pour vous. Et franchement, regardez, il est magnifique, ce jeu. Il est magnifique. Après, peut-être que Mario Kart, ça va pareil à la vitesse et que je sais pas. Donc, il faudrait que je réessaye. Peut-être en mode normal, Mario Kart, il va à la même vitesse. Mais quand on met plus haut, en 100cc, 150, 200, la vitesse, elle monte. Alors que là, je pense qu'elle monte pas. Pas beaucoup. On va essayer après. On va essayer de mettre en hard, carrément le plus dur qui soit. On verra. Nani. Ouais, je m'en doutais, j'allais ralentir. Mais au moins c'est bien pour des enfants ce jeu là, c'est pas mal aussi. Hey, je suis du Need for Speed. Dérapage sur 300 mètres. Ou plus. Ah là, il y a le boost là. On est bien content. Hein. On a le boost, on est bien content. Et je pense que les pièces, ça sert peut-être pour débloquer des choses à la Mario Kart. Hein. Peut-être ça aussi. Hein. Peut-être que les pièces sont faites pour débloquer des choses comme Mario Kart. Et que dans les Grands Prix, elles servent. S'il y a des Grands Prix, elles servent aussi bah, pour le classement. Bon, il n'y a pas de chute de FPS. Bon, c'est vraiment... Je me prends mon propre cul. Le premier circuit, c'est sûr. Et il y en a un, deux autres, il y en a un deuxième, je ne sais plus lequel. Et surtout le premier. Mais là, il n'y en a pas. Cube. Non, pas QB, hein, on n'est pas dans Naruto. Ah, zut. Tout ça, ce que je regarde, c'est le logiciel. Il plante pas au cas où. Parce que ça m'arrive assez fréquemment. Vous vous rendez compte? J'arrive même pas à être premier. J'arrive même pas à être premier. Non mais c'est dingue hein. J'avoue qu'en prenant tout le temps et qu'en faisant attention, en se concentrant et en prenant les turbos, ça va plus vite. J'avoue. Mais si on doit tout le temps déraper,
Ça me fait penser à Sabak Cube, Naruto, avec Gaara. Pour ceux qui connaissent, je vais me faire doubler à la fin, c'est une blague. Non, non, c'est pas juste. Comment t'as fait? Comment t'as fait? Hey, c'est pas juste. J'ai fini troisième. Bon, du coup, on va aller voir la customisation parce que je pense que, en termes de vitesse, on verra en dernier, en tout dernier. Je vais vous montrer la customisation. Mince! On va la quitter, hein. Ne vous inquiétez pas, on va la quitter. Voilà. Hop, quitter. Voilà. Est-ce que je me suis trompé? Excusez-moi! Donc, du coup. Il y a du contre-la-montre aussi, vous avez vu, dans partie locale. En fait, on a des courses Grand Prix, on a des courses de démonstration et on a des courses contre-la-montre. Course démonstration, on a en équipe ou standard. En équipe, c'est la base. En fait, vous allez jouer à 3 joueurs avec les IA, en fait. Et vous allez suivre leur turbo, en fait, leur aspiration. Vous doublez tout le temps, en fait, une espèce de relais. Et en fait, les objets, vous pouvez soit les donner à vos coéquipiers, ou soit les garder pour vous, hein, tout simplement. Donc, bon, c'est pas oufissime. Alors, on va aller dans garage. Voilà, là, on a les roues. J'ai débloqué des roues. Ah non, c'est le dessus. Ah, ok, regardez, c'est le pare-choc et l'aileron. Ah, ok, avant, arrière, roue. D'accord, avant, arrière, roue. Ok, donc ça c'est la customisation, on va dire, esthétique. Voilà, personnaliser les pièces de performance. Échange les pièces de performance pour personnaliser la maniabilité de votre voiture. Donc en plus ça change sur les statistiques. Ah, pourtant en plus leurs voitures elles sont super rapides, hein. On va voir Sonic. Ah, Sonic, il a pas une accélération de dingue. Oh, les roues. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être les stats. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas un effet de vitesse de ouf. A voir. A voir, très intéressant. Par contre, je sais pas pour vous, mais depuis tout à l'heure, on change des trucs. Et depuis tout à l'heure, il y a moins de choses que plus de choses. On a des... Bon, là, on a deux. On a deux rouges et deux verts. Mais bon, on a moins de turbo, moins de défense, quoi. Mais bon, on le met. On va pas garder... On le met, quoi. Alors, comme ça, vous avez vu, on va dire l'esthétisme. Simplement. Et là, on a... Donc là, c'est... C'était de l'esthétisme. Mais en plus des stats, tout simplement, des pièces de performance... Par choc, avant, arrière, roue. Et là, c'est esthétisme pur. Simplement les couleurs. Les couleurs, tout simplement. En mettant, on prend Sonic. C'est ce que je vous ai expliqué dans les couleurs. Vous avez vu, vous avez bleu, blanc, rouge, noir. Et vous n'avez pas rien d'autre, voilà. Vous n'avez pas rien d'autre. Après, c'est de la façon dont il est, la couleur est mise. Métal brossé, métal tacheté, métallique, bicolore, tacheté, peinture... Métal brossé, tacheté, métal, plastique, rugueux, plastique tacheté, ou encore plastique. Voilà. Et donc, en fait, bah, il n'y a rien d'autre. Si vous voulez changer carrément les couleurs. Oh. Voilà, il y a une couleur en plus. Si vous voulez changer les couleurs, il faut aller là dans Kit. Et en fait, là, vous avez des couleurs à débloquer. Et en mettant aussi où les scènes, ben voilà, c'est des palettes de couleurs. Donc, admettons, on va prendre, voilà, ça. Bah, en fait, c'est tout ça pareil. Vous pouvez pas mettre du jaune, et ça, c'est franchement embêtant, vous avez vu. Si vous voulez du jaune et du bleu avec autre chose, bah, va faire ça. Mais vous avez pas de rouge, voilà, en fait, tous les couleurs sont pas mélangées ensemble. Et ça, c'est vraiment dommage. À moins que certaines, vous avez vu, là, on a certains, ouais, peut-être, mais pas, on peut pas mettre tout ce qu'on veut. Après, on a les autocollants. Voilà, les autocollants à débloquer. Voilà, et à mettre. On peut changer leur couleur, je pense, non? Ouais, on peut changer leur couleur.
On a le klaxon aussi, chose que j'entends jamais. Bon, par contre, là, la voiture ressemble à rien. Alors, on va... Voilà, ça... Voilà, en gros ça donne ça. Bon, c'est pas oufissime, hein. Moi j'aurais bien voulu mettre par exemple du bleu, du violet, du rose. C'est ballot, c'est franchement ballot quoi. Alors mettons, on prend Shadow. Elle est où la troisième couleur? Je la vois pas. Je la vois pas. Ah! Voilà, vous avez vu. Ok. Il y a des kits de peinture Big, Blast, Shadow, Eggman, Knuckle, Metal Sonic, Tail Sonic, Silver, Shadow. Shadow, c'est ça. Voilà. Ça, c'est Shadow. Vous mettez ce que vous voulez, hein, mais... Si on met un autocollant, qu'est-ce qu'il a à nous proposer? Il n'y en a qu'un, quoi. Ok. Comme ça, vous avez vu un petit peu la customisation. Bon, c'est pas oufissime. C'est vraiment un petit peu de couleur, un petit peu de couleur, un petit peu d'esthétique, un petit peu d'autocollant. C'est pas grand chose, franchement c'est pas grand chose. Ah, capsule de modification, qu'est-ce que c'est? Je crois qu'on débloque des choses un peu, voilà, on débloque des choses. Un peu comme à la Just Dance, quand vous dansez, vous avez des bouboules. On a gagné ça, elle dynamique et solide. Ok. Roue rapide Shadow. Planeur rapide Knuckle. Waouh. Ça envoie du lourd. Et on va aller dans multijoueur en ligne. Et on va voir comment c'est en ligne. Alors, matchmaking, créer des parties personnalisées, rejoindre la partie d'un ami. Et comme ça, vous pouvez jouer, comme ça, vous le savez, vous pouvez jouer avec vos amis. Non, me suis trompé. Neneu. Trouver une partie. Attendez deux secondes. Je suis dans un chat. Non compétitif, course en équipe et standard. Partie rapide. Tout simplement. On est deux. Par contre, ça marque. Qui a du son sur moi. Ah voilà, aucun chat. C'est chelou parce que je suis dans mon chat quoi. Je suis dans mon chat parti. Alors comment on fait pour choisir? Bon allez, on va choisir ça, hein, de toute façon. Bon bah y a pas grand monde, hein. Je sais pas combien on peut être maximum.
Je me demande si je modifie là, ça modifie votre son. Comme ça, je saurai. Un petit test. Ah bah, il y a du monde qui rejoint d'un coup. On est 7. Ah bah c'est la dernière voiture que j'ai custom que j'ai. Ouais. Donc ça vous verrez une course en équipe en ligne. Ah là c'est un peu plus rapide. Ah là je suis d'accord. Bah, comment ça se fait alors que tout à l'heure c'était tout lent. Tout de tension. Là c'est rapide là. Là c'est cool, c'est punch. Wow. On est d'accord que là c'est rapide. Oh zut. Oh. Ah c'est à la façon comme dans Mario Kart pour revenir dans les premiers quoi. Ah, là c'est rapide. Là je suis content. Alors pourquoi dans le mode normal et en ligne c'est pas pareil? Le logiciel a repris. De toute façon, hop, ligne d'arrivée. On a encore combien de tours? Ah, c'est pas. Ah, il y a une ligne en haut. Alors, elle me donne quelque chose. Bon, bah, excusez-moi, hein, ça a coupé d'un coup. Vous avez perdu quelques petits bouts. Logiciel qui plante, je n'y peux rien. C'est en fait à la base c'était compatible Mac. Et quelques années plus tard ils l'ont retiré. Ils ont enlevé la compatibilité et tout le délire. Donc j'ai plus que ça pour filmer en fait. Avec les moyens qu'on peut. Malheureusement. Bah franchement là c'est punch, c'est dynamique. Au pire je joue en ligne. Franchement au pire je joue en ligne. Alors pourquoi il y a une telle différence? Je ne saurais expliquer. Mais là c'est rapide. Mais depuis tout à l'heure on roule sur du turbo aussi. C'est passé quoi là? Ils ont déjà fini. C'est une blague. On a gagné? On n'a pas gagné? Qu'est-ce qui s'est passé là? Ouais. Pas trop compris. Et bien voilà, et bien j'espère que cette vidéo sur Sonic Team Racing vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, bientôt 500 sur la chaîne, je compte sur vous. Merci à vous de votre soutien. Et bien n'hésitez pas aussi à mettre le petit pouce bleu si cette vidéo t'a plu, à partager sur les réseaux sociaux. Et on se retrouvera et bien très vite, j'espère, pour Assassin's Creed Odyssey, l'actu de Red Dead Online qui ne devrait pas tarder. Je vous tiens au courant, je vous tiens au jus. Allez, ciao tout le monde et puis portez-vous bien.